Oh, Dieu, tu nous rends. Oh, Dieu, tu nous rends.
Alléluia.
Sois permanent en toi. La Bible me dit que les merveilles de l'éternel sont permanentes. Maintenant, cette joie que tu as reçue, c'est la joie de Dieu. C'est la joie de tes êtres. C'est la joie du ciel. La joie de l'éternel. C'est la joie de tes êtres. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que cette joie soit permanent en toi. Que cette joie soit permanent en toi. Que cette joie soit permanent en toi. Que cette joie ne t'arrive jamais. Que cette joie ne t'arrive jamais. Je prie maintenant que ce blocage de la parole se manifeste dans ta vie. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 65 que ceux qui n'ont pas ouvert la bouche, le Seigneur a exaucé les prières. Et la plus forte raison parce que tu as ouvert ta bouche et tu as déclaré tes paroles. Je prie maintenant que le Seigneur t'exauce. Je prie maintenant que le Seigneur t'exauce. Je prie maintenant que le Seigneur te libère. Je déclare maintenant que ton ciel s'ouvre maintenant. Je déclare maintenant que ton ciel s'ouvre maintenant. Je déclare maintenant que ton ciel s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit que la clé que tu as reçue, nous avons reçu la clé. Et dans le nom de Jésus, cette clé maintenant se manifeste dans ta vie. Et à l'instant, tout blocage dans ta vie. Maintenant, soit débloqué au nom de Jésus. Soit débloqué au nom de Jésus. À partir de cet instant, quelque part, ce lieu où ton nom est déjà inscrit. Dans le nom de Jésus, ton nom est arraché. Et dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Que l'esprit là-bas, 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 que l'
À partir de maintenant, je fais de toi une nouvelle créature en Jésus. Je t'ai fait de toi la fille de Sion au nom de Jésus. Alors, le Seigneur t'accompagne dans la marche. Le Seigneur avec toi. Ne t'aime pas le feu. Entre quelqu'un chante avec moi au nom de Jésus là-bas. Entre quelqu'un chante avec moi au nom de Jésus. Il est si bas, je veux le contourner. Oh, quel amour. Alléluia. Parce qu'il y a cette joie au ciel et nous partageons cette joie pour la terre. Alléluia. De la même manière, la parole de Dieu nous dit, de la même manière que la volonté de Dieu est accomplie au ciel, que cela soit ainsi sur la terre. C'est ça, nous manifestons la joie de Dieu, la joie de l'Éternel qui se manifeste au ciel, nous aussi, nous la manifestons sur la terre. Et nous disons que les merveilles de l'Éternel sont vraiment sur la terre. Alléluia. Le Seigneur vous accompagne dans la marche. La marche est difficile. Et encore aujourd'hui, vous avez pris vraiment l'engagement dans la vie. Les combats vont venir. Vous êtes encore venus. Soyez forts et affrontez-vous parce que le Seigneur va vous faire élever. Le Seigneur va vous faire grandir dans la foi. Alléluia. Donc, autant, quel que soit le Seigneur, que le Seigneur pointe. Alléluia. Il y a des attaques. Alléluia. Il y a toujours des messieurs.
vraiment venu après ça. Donc soyez proches avec aussi. Parce que c'est de vous préparer pour votre destinée, pour la gloire. Amen. Soyez bénis pour notre Créateur. Alléluia. Ce sera prêt maintenant. Ce sera prêt maintenant. Je veux l'adorer, je veux remettre toute ma vie entière à lui. Je veux m'abandonner. Amen. Pour que ça abandonne à Jésus. Donc tu ne feras plus ta volonté. Seulement. Tu feras la volonté de Jésus. Donc si il te dit d'aller à gauche, tu iras à gauche. Si il te dit d'aller à droite, tu iras à droite. Tu ne vas pas poser la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il doit aller là-bas. Non. C'est comme ça, hein. Oui. Tu ne l'as pas dit devant moi, tu l'as dit devant le Seigneur. Oui. Amen. Amen. Prie pour toi. Fais comme tu as prié pour toi. Amen. Seigneur Jésus, nous prions pour ta semence. Seigneur, l'engagement qu'elle a pris, Seigneur, elle vient de prendre un engagement. Je déclame maintenant, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie que tu crées en elle, Seigneur Jésus, cette soif, ce feu, l'amour. Seigneur Jésus, rallume ce feu en elle maintenant. Elle veut faire ta volonté. Je prie maintenant. Seigneur Jésus, soutiens-la. Seigneur, je prie maintenant qu'à partir de cet esprit, oh, cet esprit de Dieu, parce que tes paroles, Seigneur Jésus, oui, viennent du fond de son cœur. Toi qui as dit, fais de l'éternel ta délice et l'éternel t'accordera ce que ton cœur désire. Je prie maintenant parce que son cœur désire cela. Accorde-la au nom de Jésus. 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 Seigneur, elle veut que tu fasses d'elle, Seigneur Jésus, une femme de feu, une femme de prière, une femme capable de parler de toi avec assurance, sans crainte. Je prie maintenant, Seigneur, que cette force la saisit pendant ce moment au nom de Jésus. Je prie maintenant que cette assurance de parler de tout après ce baptême, que les choses changent. Et après ce baptême, oui, que la paix vienne, que la joie vienne, que l'allégresse vienne. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que le ciel de rideau sous mes pieds. Je prie le ton feu, remplis 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 ton feu. Le ciel est plus libre. Voici les cités à comparer ce bon Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et ils sont guéris. Je déclare maintenant que la partie de cet état, que ceci soit ton partage, que ceci soit ton partage. Je vous remercie.
Et avant qu'il ne vous dépasse pas de point à un point, il faut que il vous amène à dans sa vie. Il faut que ta vie ait une étape qui devait passer. Il y a une étape de transition, une étape de transition, une étape de transition. Où va vous préparer pour votre glorieuse destination? Où va vous préparer pour cette gloire? Alléluia. Avant que vous accordiez cette gloire, il faut que vous prépariez. Seigneur, tu les réveilles maintenant. C'est les dons qui somnolent, les dons qui tombent en elle. Seigneur, réveille cet homme. Réveille cet homme. Réveille-le maintenant. Réveille-le maintenant. Réveille-le maintenant. Réveille-le maintenant. Réveille-le maintenant. Réveille-le maintenant. Aucun don ne doit plus dormir en elle. Seigneur, tu l'as fait en tant que servant de l'éternel. Seigneur, femme de feu. Oui, femme de feu. Servant de feu. Femme de discernement. Femme de discernement. Femme de discernement. Femme de discernement. Femme de feu. Femme de discernement. Seigneur, réanime cet homme. Elle a tout à fait de voix. 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 Elle a tout à fait de voix.
elle te voit clairement. Seigneur, elle voit ce que tu vas lui montrer. Seigneur, je ne peux même pas dire que les écrits se trouvent maintenant. Que les écrits tombent maintenant. Les écrits tombent maintenant. Les écrits tombent maintenant. Les écrits tombent maintenant. Désormais, Seigneur, elle veut voir ce que tu vois. Elle veut voir ce que tu vois. Ce que tu veux la montrer, Seigneur, elle doit voir. Elle voit tout. Elle voit tout, mes frères et sœurs. Mais désormais, tu ne mettais pas de ta bouche. Seigneur, tu ne mettais pas de ta bouche. Tu ne mettais pas de ta bouche. Dans le nom puissant de Jésus, tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu mets la part de ta bouche. Tu mets la part de ta bouche. Tu mets la part de ta bouche. Seigneur, tu mets la part de ta bouche. 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 Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Oh, merci, Père. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu veux la consoler en toute chose. Seigneur, console-la en toute chose. La paix. L'amour. La bonté. La bonté. La santé. Les gens viennent d'avoir un peu de temps. La vieille montagne. 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 La vieille mont
À partir de cet instant, le Seigneur maintenant
démarre maintenant un nouveau projet dans ta vie. Le projet de paix, le projet de grâce, le projet de bonté. Au nom puissant, reçois le cadre de Saint. Le Seigneur te révèle maintenant de ce revêtement spirituel. Le Seigneur fait de toi une femme, soldat au nom de Jésus. Le Seigneur te couvre de la cuillère d'ajouter. Tu reçois la cuillère d'ajouter. Tu reçois la sainteté de vérité. Tu reçois la sainteté de vérité. Tu reçois la sainteté de vérité. Tu reçois la sortie du dead de l'évangile. Tu reçois la sortie du dead de l'évangile. Tu reçois le bouclier de la foi. 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 Tu reçois l'épée de la vie. Tu reçois l'épée de la vie. Tu reçois de l'épée de la vie. Que l'épée de l'esprit soit attachée à ta vie. Soit attachée à ta vie. Soit attachée à ton âme. Soit attachée à ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois un nouveau manteau. Le manteau du ciel. Le manteau du pèlerin. Le manteau des filles de Sion. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons sauvé tes prières. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la main qui nous partage. Les soucis nous partagent. Le Seigneur a semé en toi la joie. La fraîcheur. Amen. Tout seul. Le Seigneur te dit que là, je te dis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Amen. Le Seigneur t'accompagne. Amen. Alléluia. Je veux louer Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux louer mon Dieu. Alléluia, je veux louer Jésus. Alléluia. Alléluia, je veux louer mon Dieu. Alléluia. Alléluia, je veux louer Jésus. Alléluia. Alléluia, je veux louer mon Dieu. Alléluia. Alléluia, je veux louer Jésus. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle à Tandu. Alléluia, c'est jour. Ce jour est un accomplissement aujourd'hui. Alors, nous sommes ici à la service. Quelque chose de passion à vous faire ce moment, c'est de vous fortifier encore dans le Seigneur et de vous encourager à persévérer avec moi. Seigneur, alléluia. Et pour la majorité, j'ai demandé la signification du baptême. Alléluia. Là, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je suis tellement content de l'air des réponses. Alléluia. Et le baptême, c'est tout simplement avec Christ. Quand on parle de mourir avec Christ, c'est avec Christ. Christ est venu, c'était à cause de nous, à cause de nos péchés. Et il est mort à cause de nos péchés. Donc si tu ressuscites toi aujourd'hui, tu es mort et ressuscité avec Christ, puisque tu es mort, ça dit tu as enterré tes péchés. La vie ancienne a été enterrée et maintenant tu es revêtu maintenant d'une nouvelle vie. Alléluia. Donc tu es devenu une nouvelle créature aujourd'hui. Alléluia. Donc on ne doit plus voir les anciennes œuvres. Avant tu étais menteur, avant tu étais ci, tu étais voleur, tu étais fornicateur, tu étais impudique, tout. On ne doit plus retrouver ces œuvres dans tes mains. Alléluia. Mais désormais maintenant, tu cherches maintenant à manifester maintenant les œuvres du Saint-Esprit. La paix, la joie, la bénité, la bienveillance, la tempérance, la douceur, tout ce qui est bon, amour, tout ce qui est bon et tout ce qui le Saint-Esprit accorde, tu dois le faire. Voilà les œuvres qu'on doit remarquer désormais dans tes mains. Alléluia. Si avant tu restais là où il y a la calomnie, là où il y a les bruits, là où il y a on insulte, là où il y a des choses, aujourd'hui tu ne fais plus partie de ces clans, tu ne fais plus partie de ces clans. Alléluia. Donc chaque fois maintenant tu dois te chercher à établir, à être intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher à perfectionner ta marche avec le Saint-Esprit désormais. Alléluia. Donc pour finir rapidement, je vais prendre et je m'en vais aussi dire à quelques-uns parmi vous que après le baptême, ne croyez-vous pas que c'est déjà fini, le salut est déjà garanti. Non. C'est maintenant même vous voulez même vous allez commencer la marche avec le Seigneur. C'est à ce moment les attaques, les persécutions vont venir. Alléluia. Parce que désormais, vous avez une lumière qui brûle en vous. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il a été persécuté. Et lui, malgré qu'il était venu pour sauver le monde, mais le monde ne l'a pas laissé. Il a été persécuté. Et c'est cette lumière qui est en toi aujourd'hui. Quand le monde est ténèbres, tu vois la lumière en toi, la lumière en toi. Donc ils ne vont pas te laisser faire comme ça. Alléluia. Et aussi, tu es dans les prisons. Et toi, tu as tout fait pour échapper à cette prison. Tu as quitté cette prison.
faut te dire que dès maintenant même, ils savent tout ce qui se passe. Alléluia. Ils savent tout ce qui se passe maintenant. Donc, il y aura une recherche officielle qui sera lancée pour toi, à cause de toi, parce que tu as échappé. Alléluia. Donc, ne permets jamais, à grand jamais, qu'ils te retrouvent encore. Et s'ils vont te retrouver, ça ne sera pas moi, ça ne sera toujours pas le péché. Parce qu'ils vont mettre même des péchés devant toi. Des péchés devant toi. Jusque tu tombes dedans. Et c'est fini. Dieu revient. Et cette fois, ça veut dire qu'un esprit qui sort et qui revient, cette fois-ci, en voulant revenir, il revient avec cet autre esprit. Posto! Alléluia. Si avant, tu insultais juste, maintenant tu vas penser pas chiffrer. Ah, mais tu vas dire, mais je ne prie pas l'eau et le baptême, je ne prie pas de délivrance. Mais pourquoi c'est le truc devient encore depuis encore. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai, tu n'as pris pas baptême, tu n'as pris pas de délivrance, et on a prié pour toi, évidemment. Mais c'est parce que tu as encore laissé une porte à cet esprit qui est revenu. Et cette fois-ci, et c'est lui qui va te combattre maintenant, parce que tu, cette fois-ci, si tu ne t'es pas fait, tu vas même quitter. Parce que les oppressions et les trucs là vont devenir, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire vont devenir durs. Parce que tu les as. Aujourd'hui, vous voyez pour les défenses ouvertes, pour tous ceux qui ont passé par la défense, vous allez voir comment on a chassé les esprits, on les a torturés, on les a parlé contre, on les a fait, on les a torturés, on les a menacés, tout. Cette fois-ci, c'est eux qui vont vous menacer. Si vous les laissez assez revenir encore dans votre pays, ils vont te dire, ah voilà. D'ailleurs, donc il faut te menacer. Tu ne vas pas faire, tu vas même abandonner la foi. C'est ce qu'on voit aussi. Il y a beaucoup qui se retrouvent. Ce n'est pas de leur faute. Il y a beaucoup qui s'égarent aujourd'hui. Ce n'est pas eux, parce qu'ils ont laissé juste une petite porte à l'ennemi. L'ennemi est revenu maintenant cette fois-ci avec un autre esprit. Alléluia. Imagine par exemple, tu laisses encore la serre au mensonge. Le mensonge il revient, l'esprit du mensonge il revient, le diable lui-même, parce qu'il est le père du mensonge. Il revient cette fois-ci avec d'autres esprits, sept autres esprits. Et maintenant, le vol aussi, tu laisses assez encore l'esprit du vol. Il revient encore avant toi avec d'autres sept esprits. Ça fait déjà combien? 2 plus 7. Ça fait 9. 9 fois 2. Ça fait déjà 18. Alléluia. Donc, deux péchés de déjà. Tu as déjà ramené 18 esprits en toi. Ça va te fatiguer. Tu seras tout le temps, ça dit, tout le temps dans la vertu. Tout le temps dans la vertu. Alléluia. Donc, le Seigneur ne veut pas cela. Ça dit, il peut arriver que vous tombez. Tomber ne veut pas dire péché. Comprenez quelque chose. Je veux dire quelque chose. Tomber, c'est plus vite de la marche. Car la Bible dit que le juste tombera cette fois. Et c'est cette fois qui se réveille là. Donc tomber aussi, c'est plus vite de la marche. Il peut arriver que tu tombes. L'enfant de Dieu peut tomber. Mais l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Et l'enfant de Dieu ne tombe pas dans l'iniquité. D'abord, quand tu commets d'abord une faute, tu vois que c'est péché. Et tu sais que c'est péché. Et tu retombes, ou bien tu vas encore recommettre le même acte. Ce n'est plus péché. C'est devenu iniquité. Parce que tu sais déjà que ça, c'est péché, tu ne peux pas faire. Mais tu as encore fait. Ce n'est plus péché. Là, ce n'est plus péché. Tu as quitté l'étape du péché et tu es allé étape d'iniquité. Tu as allé étape d'iniquité. Et si Dieu veut te parler, Dieu va te frapper purement selon l'iniquité et non selon le péché. Celui qui commet un péché, Dieu peut le frapper, bon, voir, bon, parce qu'il ne sait pas, il est dans l'ignorance, et Dieu peut le voir et traiter son sujet. Mais tu sais que tu as encore le fait, c'est l'iniquité. Alléluia, c'est l'iniquité. Attitude de l'iniquité. Donc fais tout possible de tomber dans le péché. Donc je vais en dire quelque chose tout à l'heure. Qu'il peut arriver que vous tombez. Si tu tombes, il faut savoir, il faut reconnaître, ah, je suis tombé. Automatiquement, s'il faut que tu te relèves, relève-toi automatiquement. Si tu vois que toi, si tu ne peux pas, alors tu viens voir les serviteurs de Dieu. Ah, serviteur de Dieu, je suis tombé dans le péché. Il a dit, si c'est arrivé que je suis tombé. Et on te donne des relations qu'il faut, s'il faut qu'on prie pour toi, s'il faut qu'on te remet encore dans le jeu, on le fait automatiquement. Mais si tu gardes cela, c'est fini. Si tu gardes, c'est comme si tu es tombé, tu es dans un trou. Tu ne veux pas qu'on t'aide. Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas te en sortir, mais tu ne veux pas qu'on t'aide aussi de sortir. Alléluia. Et c'est qui cela fait aussi aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont complètement devenus des chrétiens chanel. Alléluia. Parce qu'ils sont tombés. Donc lui dit, ah, je suis tombé. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu, lui, connaît. Mais nous, les hommes, nous sommes dans la chaîne. Nous, les hommes, ne pour pas te surveiller. Oui, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas à nous de te demander, de te dire, est-ce que tu es tombé? Non, c'est toi qui es tombé. Viens vers nous automatiquement. Ou si tu vois que toi seul tu peux gérer et tu peux te lever, le Seigneur va te dire, il n'y a pas de problème.
tu cries vers le Seigneur, Seigneur, je te tends, Seigneur, tends-moi la main. Relève-moi de cela. Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Tu cries au secours, Seigneur. Mais si tu vois que seul tu ne peux pas, alors le mieux que c'est que tu viennes te confesser et qu'on puisse travailler avec toi. Alléluia. On doit travailler avec toi à nouveau pour ça. Et ne vois pas que non, ah, j'avais déjà confessé, ce serait une honte. Il n'y a pas honte dedans. Il n'y a pas honte dedans. Nous sommes encore dans la chair et nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de honte dedans. Il n'y a pas de honte dedans. Et ça dit, tout homme est faillite. Tout le monde, ça ne connaît pas homme de Dieu, ça ne connaît pas Seigneur, ça ne connaît pas servant, ça ne connaît rien. Le péché ne connaît rien. Donc nous devons fuir le péché comme la mort. Le péché, nous devons fuir le péché comme la mort. Le péché ne connaît personne. Il ne connaît personne. Donc ne donnons pas accès au péché. Donc si tu tombes, relève-toi automatiquement. Si tu sais que tu ne peux pas te relever, alors je te fais confier aux serviteurs. Ils vont faire avec toi. Ils vont te jeter. Ils vont te dire ce qu'il a fait, on va faire avec toi. Et le Seigneur, sa miséricorde. Notre Dieu, il est toujours fidèle. Alléluia. Il suffit juste que la personne reconnaît ce qu'il avoue et qu'il prend l'engagement de t'abandonner, de laisser lui. Ça marche avec toi. Nous allons rapidement ce passage. Alors, dans le verset 5. Vas-y, vas-y, vas-y. Alléluia. Amen. Devenez donc l'imitateur de Dieu. Faites-en pas l'imitateur de Dieu. C'est que celui qui doit mettre les pas de Dieu. Alléluia. Imitateur, tu mets tes pas dans les pas de la parole. C'est que Dieu a dit. C'est ça qui imite Dieu. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu n'est pas le seul, Dieu n'est pas le seul, Dieu n'est pas le seul. Oh Dieu, la critique a dit soyez des fidèles. Oh Dieu, dit Dieu, je sais. Et je vous ai choisi, je vous ai mis à part pour que vous appartenez à moi. Donc la sainteté, c'est très important. Yes. Comme des enfants bien-aimés, c'est parce que l'amour qui vous a racheté. Alléluia. Donc tu sais que tu es un enfant bien-aimé de Dieu, tu dois faire ce qu'il te dit. Tu dois mettre tes pas dans ses pas. Yes. Et marcher dans la charité. Marcher dans l'amour. Ne gardez jamais la colère, la haine, les attentes animer votre cœur. Même si tu as une situation avec qui que ce soit, il vient de toucher tête pour vivre un charlatan. Va faire la paix avec lui. C'est très important. La Bible déclare que sans la paix et la communication, tu ne peux pas le faire. Si tu ne reçois pas la paix avec tout le monde, si tu ne reçois pas la paix, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu vas te sanctifier, tu vas porter la longue robe, tu vas tout faire sur cette terre, mais tu ne verras pas Dieu. Parce que tu as pris ton temps pour vivre dans la colère, dans la paix, dans la jalousie, dans la dépendance. Alléluia. Même si vous savez que tu as raison et que lui n'a pas raison là. La Bible déclare si c'est avec lui, nous on a un problème. Nous devons chercher la paix. Tu sais bien que tu as raison. Et tu sais que c'est lui qui t'a offensé, c'est lui qui t'a fait du mal. Mais cherche la paix avec lui. Et la Bible déclare que dans le livre de Proverbes, que en faisant ça, c'est que tu as envie d'amasser les charbons de feu sur sa tête. Et que tu as envie de baisser les charbons de feu. La chaleur sur ta tête. Quand tu vas, tu dis bon, je vais suivre la paix avec toi. Lui-même va commencer à se reprocher. Ah, mais c'est moi, je l'ai offensé, mais c'est lui qui vient vers moi encore, vers moi, demander pardon. Lui-même, là, il verra que franchement, il y a quelque chose. Il va commencer à se condamner lui-même. Oui. À l'exemple de Christ, marcher à l'exemple de Christ qui nous a aimés, oui, et qui s'est livré lui-même à Christ Dieu. Il nous a aimé, mais il s'est livré lui-même. C'est pas cet amour qu'il a pour nous, il est allé à la victoire. C'est pas cet amour qu'il a pour nous, il s'est sacrifié, il s'est donné comme rançon pour nous sauver. Et pourquoi nous ne devons pas aimer? Nous devons aussi aimer. Vous allez voir aussi dans le livre de Matthieu 6, c'est la plus bien, où il y a une prière, le Seigneur nous a appris à prier au Père. Que ton règne vienne sur nous et pardonne-nous comme nous nous donnons ce que nous offensons. Donc si tu sais que Dieu va te pardonner comme toi-même tu le pardonnes, c'est-à-dire il dit pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous offensent également. Donc si toi tu ne pardonnes pas pour d'abord, tu ne peux pas avoir de pardon pour Dieu. Si tu n'as pas un cœur qui pardonne, alors tu ne peux pas. Alléluia, oui, continue.
à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que l'impudicité. C'est-à-dire si la Bible a hâte de notifier ses péchés, c'est nos péchés qui sont tombés plus. La pureté, l'impudicité, oui. Et que la cupidité. La cupidité, l'argent, c'est ça qui détourne les enfants de Dieu. C'est pourquoi chaque dimanche, avant de commencer, il y a des règles qu'on lit. Et pendant le tablette, on refuse les tontines. C'est pas que les tontines sont interdites pour les enfants de Dieu. Tu peux aller faire ailleurs. Mais dans l'église, non. Parce qu'on sait bien que là où l'argent intervient, là où l'argent brûle, là, ça dit ça ne fait toujours pas des problèmes, pas des situations. Tu vas entendre, ah, tel frère a bouffé mon argent, ah, tel frère a pris mon argent, tel frère. Et comme ça, ça fait des rancunes, des bagarres dans l'église. Vous allez voir, beaucoup vont apprendre la foi parce que cette frère a bouffé son argent. Donc c'est pourquoi, bon, refuse. Tu peux aller faire ta tontine ailleurs. Là, tu sais que tu as fait avec les païens. Si les païens bouffent ton argent, tu sais que tu as fait avec les païens. Donc tu vas gérer toi, mais pas l'église. Pas les membres de l'église. C'est bien. Pas dans l'église. Tu ne dois pas faire dans l'église, pas faire ta chose ailleurs. Donc là où l'argent demeure, ça ne finit toujours pas des problèmes. Alléluia. Ça ne finit pas des problèmes, pas des situations. Et ça finit toujours comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare que vous devez tout faire pour pouvoir éviter la cupidité. C'est pas que de ne pas aimer l'argent. Nous sommes tous encore sur la tête, nous avons utilisé l'argent. Mais la clave, la plupart de la cupidité, c'est que l'amour plus à l'argent. L'amour plus, ça dit tu aimes plus l'argent. Mais que ça c'est qui t'arrive, quelque chose c'est qu'on te dit, c'est l'argent qui te procure d'abord, c'est l'argent. Tu mets tout devant dans ta... Si ce que toi tu mets devant, c'est l'argent d'abord pour toi. Ce n'est plus Dieu d'abord, mais c'est l'argent d'abord pour toi. C'est pas bien. Oui. Ne soyez pas même nommé parmi vous. Que la culture ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes. On n'entend pas ni des paroles déshonnêtes. Ah non, j'ai dit juste pour blaguer. J'ai dit juste pour l'arracher un sourire. J'ai dit juste pour la peste. Non, enfin, tu ne fais pas même ça. Ça entre dans la distraction. Mais la Bible condamne la distraction. Quand tu entres dans la distraction, ça commence par autre chose. Tu vois. Donc la distraction est bannie de votre vie. Mais plutôt, qu'est-ce que la Bible nous enseigne, oui. Ni des propos insensés. Des propos insensés. On parle de Yahouya, on parle de la vraie, on dit des n'importe quoi, des paroles insensées, oui. Ni plaisanteries. Ni les plaisanteries. Les plaisanteries. Il y a un café, le cabiano, le coman. Non, il n'est pas de temps, on n'est pas de Dieu. Parce que quand tu commences à des choses, ça t'amène même à oublier les cadres. Ça t'amène même, ça t'induit, ça te glisse même sur l'intérêt également. Tu vas vraiment commencer la comédie, partout toi tu viens, c'est la comédie. Même au moment où, même s'il faut que tu prêches la parole, quand tu prêches, ça ne sort pas comme. Parce que vous n'avez pas de choses. Vous avez beaucoup de plaisanteries. Tu as déjà l'habitude, c'est les conneries qui te racontent. Même au moment où le Seigneur va vouloir que tu fasses, que tu évangélises quelqu'un. Comment tu es en train d'évangéliser? Quelqu'un te voit, mais tu vois comme quelqu'un qui est en train de blaguer. Il ne va pas te faire. Or, c'est tout ce que tu as en train de dire en ce moment. Donc, il ne va plus te faire ça là. Donc, les plaisanteries, les comédies, les trucs, la vérité, tout. Oui. Choses qui sont contraires à la bienséance. Ce sont les choses qui sont contraires à la bienséance. Oui. Qu'on attend plutôt des actions de grâce. Ah, Dieu m'a fait ci. Oh, Dieu m'a fait ça. Dieu m'a fait ci. Voilà des choses qu'on doit attendre dans la bouche. Des choses qui doivent édifier quelqu'un. Des choses qui doivent bénir quelqu'un. Des choses qui doivent faire bénir quelqu'un en Jésus. Des trucs comme ça qu'on doit entendre de votre bouche. Yes. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique. Sachez-le bien, aucun impudique. Ou impur. Ou cupide. C'est-à-dire idolâtre. Idolâtre. N'héritera point d'héritage. Si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne vis pas dans
si tu ne vis pas dans la sanctification. Quand on parle de la sanctification, beaucoup ont tendance à croire que c'est toujours l'habit, gloire ou pièce. Ce n'est pas ça. La sanctification d'abord, la plus d'abord, ça vient du cœur. C'est pourquoi vous allez quand vous évangélisez certaines personnes, vous dites, ah Dieu par le cœur. Vous vous dites ça, Dieu par le cœur. Donc quand on parle de sanctification, ne voyez pas d'abord ce que nous portons, ne voyez pas d'abord ce que nous portons. Non, le corps n'a rien fait d'abord pour le corps, ce n'est pas d'abord ça. La sanctification, ça vient d'abord du cœur. Si ton cœur n'est pas sanctifié, que tu sanctifies ton corps et tu portes des robes, tu n'as rien fait encore. Donc la sanctification vient du cœur d'abord. Sanctifie d'abord ton cœur. Abandonne d'abord la haine, la jalousie, la calomnie. Abandonne d'abord tout ce qui est péché éternel. Abandonne d'abord tout ça. Et c'est cela maintenant qui va se refléter maintenant sur ton corps. Ça vient de l'intérieur. Et c'est le c'est pourquoi dans le livre de tête interaction, je vois bien. Ça veut dire quoi que pour la sanctification, c'est corps, âme, esprit. C'est corps, âme, esprit. Si tu laisses une partie et que tu t'attaches à une partie, zéro. Les trois vont de pair. Les trois doivent passer ensemble. Oui, continuons. Que personne ne vous séduit. Que personne ne vous séduit. Pas de vain discours. Pas de vain discours. Les gens vont vous dire, ah non, Dieu n'est pas si. Oh, Dieu n'est pas si tu. Pourquoi Dieu. Les gens vont vous séduire. Pas de vain discours. Que personne ne vienne pour vous séduire. Vous vous regardez, vous ne vous permettez jamais. Yes. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Aujourd'hui, tu as déjà connu la vérité. La Bible déclare que vous connaissez la vérité vous a franchi là. Tu es déjà affranchi. Mais si tu tentes encore pour retourner en mode de l'être aussi, tu as devenu un rebelle. Tu prends le Seigneur. Et là, la Bible déclare que la colère de Dieu a jailli sur toi. Si tu ne te comprends pas. Alléluia. Et la plupart des rebelles, des rétrogradés, quand ils ressassent, quand ils regardent comme ça là, c'est que quelque chose que tu l'as dit. Quand tu l'as dit, pleuvé. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous soutienne. Et que le Seigneur soit avec nous. Et c'est vrai, dès aujourd'hui, vous savez que la lumière est en vous. Et vous serez persécutés parce que cette lumière n'a plus partout. Parce que les gens verront cette lumière, N'importe où, mais moi je me rappelle après, juste après mon baptême, en tant que je me présente même devant certaines vendeuses pour me vendre, les vendeuses me chassent même devant eux. Et quand, quand ils me chassent, je comprends déjà pourquoi. Donc ne soyez pas étonné d'être chassé sur certains points. Ne soyez pas étonné. Je me rappelle aussi, j'étais allé dans ce marché avec une maman. La maman voulait écraser ses condiments. Le bien-aimé qui devait nous écraser le condiment, il avait des pistes au cou. Comme même, je ne sais pas. Et quand il a vu pratiquement, il nous dit que non, que lui, il allait repousser. On est là. Et nous, on quittait à peine comme ça. Une autre personne venait pour écraser. Et là, il a allumé son truc. Et là, il n'était pas écrasé. Et nous, on a compris. On a compris. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on écrase. Qu'on voulait écraser. Donc, ne soyez pas étonné également de ces choses. À certains endroits, les gens vont vous renvoyer. Vous allez dire, mais pourquoi il me renvoie? Pourquoi? Mais comprenez automatiquement que c'est spirituel. Ça ne vient c'est pas physiquement, mais c'est spirituel. Ouais. Il y aura des haines. Peut-être ça peut arriver aussi. Quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien, il peut avoir maintenant des séparations. Il peut avoir pas des séparations. Il faut comprendre automatiquement. Il faut que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus que je vais prier. Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu. Dieu de gloire, Dieu de paix. Que bénissons notre nom, Papa. Viens voir si tu es sanctifié. Tu es encore racheté à un grand Seigneur aujourd'hui. Père de gloire, je prie, Papa, que tu les fortifies. Et que tu les soutiens dans la marche, Papa. La marche, Seigneur, est Papa, Seigneur. Mais avec le pouvoir, c'est facile, Seigneur. Viens, je prie, Papa, que ton esprit te mène à jour. Viens, que tu les fortifies. Et qu'il marche, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, et non dans la chair, Papa, Seigneur. Seigneur, je prie, Papa Seigneur, que tu demeures, Seigneur, dans leur vie, dans leurs activités, dans leur travail, dans leur boulot, Papa. Sois tout le temps avec eux, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Papa Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, la lumière qui lutte dans leur vie, Seigneur, que cette lumière lui éternellement, Seigneur Jésus. Que cette lumière lui éternellement, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, je prie, Papa, cette devise que tu as mis en eux, que cette devise demeure éternellement, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Père, parce que tu l'as déjà fait au nom de Saint Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. 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 Voilà Jésus. Je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie.
vous qui nous suivez depuis vos maisons. Voilà encore ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa compassion, ne cesse chaque fois de nous racheter. Alléluia. Parce qu'il a été à la croix pour nous. Et il ne veut pas nous voir et emprunter des chemins de perdition. C'est pourquoi il ne passe pas tous les canaux qu'il faut. Il ne passe pas tous les moyens qu'il faut pour nous racheter. Et voilà encore, il a encore racheté ses servantes, ses serviteurs sur ce chemin. Et il les prépare déjà pour le ciel. Nous bénissons le Saint Jésus-Christ pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Alléluia, je veux louer mon Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia.